désert d'Arabie. Un vaste océan de dunes mouvantes et de rochers brûlants. Sous ces étendues de sable, du pétrole, l'or noir, le sang de ce siècle mécanique. Depuis plus de 4 siècles, les Ottomans règnent sur ces terres, contrôlant tout ce qu'elles recèlent. Mais certains s'opposent aux Ottomans. De petites bandes de rebelles bédouins se sont unies pour renverser l'Empire. Ces hommes frappent par surprise, puis s'évanouissent dans le désert. À leur côté, un officier britannique dont les exploits lui ont valu un grand renom. Le monde entier le connaît comme Laurence d'Arabie. Dans le désert, il faut prévoir avec soin, mais compter aussi sur la chance. Elle était à nos côtés lorsque nous avons appris qu'un train ottoman, qui avait récemment déraillé, transportait une cargaison très intéressante. Bon bah salut tout le monde, c'est Kergaming, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle aventure, on va dire, parce que voilà, c'est encore... Et c'est la dernière aventure. Et là, on se retrouve dans le désert. Et franchement, là, on a une vue de malade. En plus, on peut voir là-bas au fond... Les effets de chaleur, ça ondule. C'est plutôt pas mal, franchement, j'aime bien, hein. Ça claque. Alors là, ça me fait penser un peu aussi à... Parce que ça ressemble, vu que c'est le même moteur, c'est Frostbite. À Star Wars, un petit peu, avec les rochers, là. Bon, allez, c'est parti. Il veut que je fasse quoi avec les jumelles, en fait? Que je regarde Yaki. Une petite patrouille avait rejoint les Ottomans qui avaient survécu au déraillement. Ensemble, ils gardaient l'épave en attendant des renforts. Pourquoi lui, il est pas comme les autres? Mais je vais les massacrer. Seul ne possède qu'un avantage sur un ennemi nombreux. Il peut se déplacer sans être vu. Ah mais attends, j'ai que couteau. Entrer par les coutilles du toit. Je suis pas obligé de les tuer hein. Je sais pas, ça me fait penser même à... Un Metal Gear un peu. La Metal Gear, j'ai jamais fini, ça me fait chier ça. Hop là. Les tribus combattaient de manière peu conventionnelle, avec des armes qu'elles connaissaient bien. Leurs principaux atouts étaient l'endurance, l'intelligence individuelle et le courage. Y'a quoi comme arme là? Ouh, je peux les fusiller, un truc de malade. Bah là on va se faire un petit plaisir. Comment je les ai massacrés? Chercher le livre de code, ok. Bah c'est bon, il y a pas trop de poussière dessus. Oui, il se passe quoi là? Parfait, c'est fini. Ah. Tu ne t'attendais pas à ce que nous soyons aussi rapides pour te rattraper, n'est-ce pas? Laurence d'Arabie. On a une équipe. Laisse tomber. Au contraire. J'espérais justement que vous le feriez. Hey Lawrence. Tu manques pas de ressources. Le chasseur est devenu la proie, on dirait. Et toi, qui es-tu? Ah, mais tu es ravissante, ma petite. Ravissante? Ahmed. Une femme qui serait libre sans des hommes comme toi. Libre, hein? Tu seras libre quand tu pourras. Et laisse-moi te dire une chose, l'Empire a l'intention de vous offrir à tous cette liberté. Très bientôt. En ce moment, une terrible machine de mort écume ce désert. Elle élimine vos alliés, vos familles, vos maisons et tout.
tous vos refuges. Bientôt vous n'aurez nulle part où aller. Nulle part où vous cacher. Bientôt tout votre monde, et tout ce que vous aimez, disparaîtra. Alors vous serez libre de mourir. Moi. Espèce de folle, Zara. Je sais bien que rien ne te rendrait plus heureuse que de lui arracher lentement la peau des pieds et de le laisser nu dans le désert, en courir une mort certaine. Mais avant, réfléchis. C'est vrai. Je suis désolé. Mon ami est parfois un peu brutal. Tu vas m'expliquer comment envoyer de faux ordres. Nous allons attirer ton train dans un piège et le détruire. Impossible. Pour établir une liaison avec ce train, il te faudrait un livre dans tous les codes de communication. Oh, un livre dans ce genre-là, peut-être. Vous ne pouvez pas arrêter le progrès des machines. Un jour, le reste du monde vous enlèvera vos terres et s'emparera du précieux or noir qui dort sous le sable. L'avenir nous le dira, mon ami. Bien entendu, obtenir ce livre de code ne suffisait pas. Pour détruire ce dragon de fer, ce canavar, comme l'appelaient les Ottomans, nous devions lui envoyer 3 messages chiffrés, lui ordonnant de baisser les armes. Il y avait des avant-postes ottomans le long des voies ferrées. Leur commandant avait des capsules de messages prioritaires. Nous en avions besoin pour envoyer nos ordres, sinon le train les refuserait. Le village ne serait pas facile à infiltrer. D'autant plus qu'un détachement de soldats ottomans y résidait. Les Ottomans ont établi un avant-poste dans le désert. Il n'est que peu défendu, mais renferme de nombreux véhicules et armes. Ils ne s'attendent clairement pas à une attaque. Ces équipements seront utiles si tu décides de t'en servir. Ces ruines antiques sont les derniers vestiges d'une civilisation disparue. L'Empire ottoman y a implanté le monde moderne sous la forme de véhicules blindés et de canons. Trois commandants à éliminer. 3 capsules personnelles à voler et à expédier avec nos ordres falsifiés. C'était à Zara de décider comment elle mènerait cette mission périlleuse et audacieuse. C'est terrible. Franchement, c'est pas mal, hein. J'aime bien comment c'est fait là. On a vraiment cette sensation d'être libre. Et en plus, c'est la première, on va dire, intrigue, histoire qui a on guide un personnage féminin. Vas-y, je monte sur mon cheval. Les humains adoraient leurs chevaux. Et en retour, ces animaux offraient à leurs cavaliers une vitesse et une mobilité sans pareil. Oh, attendez. Il y a des patrouilles. Putain, j'ai des USB qui me pètent les couilles sur mon PC. Partant Rico sur une place forte, Ottoman. Vas-y, c'est moi l'agneau. Oh là là. J'ai failli mourir, je crois, du début. On va aller voir les ruines. Descends. Il y a ça et un petit cheval. D'accord, il y a un sniper. Il est en train de me voir le snipe. P.
Je me suis fait repérer un peu. Ah, je vais prendre mon temps. Va prendre son temps, c'est la vie. Dommage, on n'a pas de... de silencieux. Avec le silencieux, ça serait notre vie. Oui, des petites armes, c'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est quoi? Récupérer des grenades? Ouais, c'est pas... toujours pas mal. Il y a quoi là-dedans? Il y a quoi là-dedans? Ouh, récupérer anti-véhicule. Et pas de bruit. Il m'a entendu l'enfoiré. En plus j'aurais une bonne vue. Hé, il est en train de me voir. Je crois qu'il y a personne dans le tank, hein. Ok, on va descendre. J'ai peur qu'il se retourne. Qui va sûrement se passer en plus. Et si j'envoie là-bas? Il a même pas entendu mon truc. Mais va voir là-bas s'il te plaît. Eh hey, putain, il a fait me voir. Limite commandant, c'est ça? Il y a trois commandants qu'il faut que je nique, hein. Putain, si je prends le char, je fais du ménage. Je me suis vu presque repérer. Ouais. Et ils ont pris direct le tank, ces enfoirés. Va louper. C'est bon. Et c'est lui le commandant. Prenez la sacoche du commandant. Vas-y, attends, attends. Mais dépêche-toi. Vite. Ah mais ils sont sérieux. Chuté lui. Je vais réparer. Faut que j'envoie un message, je sais pas quoi. Bon, on y va calmement.
Voilà. Allez, vas-y. Prends un petit pigeon, lui mets le petit message sur les pépates. Et hop là. Seul ordre ne suffirait pas. La procédure ottomane prévoyait que le train n'obéirait qu'à un message envoyé en triple exemplaire. D'accord, en vrai c'est ça, parce qu'il faut trois messages. Les trois mêmes messages pour que ça fonctionne. On va aller faire l'autre en face. Franchement, une bonne mission, hein. J'aime bien, hein. C'était une super idée. Avec mon petit char au calme. Mais non, j'ai loupé. Ah bah là, j'ai fait mal. Allez, allez, comme il court. Allez, cours, 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 cours. Oh, quand j'ai vu le char, j'ai dit ça y est, faut que je le prenne trop, c'est obligé. Oh là là, la vue. Avec le moteur qu'ils ont là, ils pourraient faire des jeux de malade. Bah ils vont faire déjà en thème là. Je sais pas si vous avez vu à l'E3 là. On pourra voler sur des maps immenses. Bon bah ça a combien de mètres cette histoire, parce que là c'est loin. Ah. J'arrive. Vous croyez qu'ils m'ont entendu là? Ah, j'ai touché quelqu'un. Un petit coquin. T'as de la chance que je sais pas tirer, enfoiré. Putain, mais en vrai c'est super précis. Non, je l'ai même pas tué. Oui, je répare. Prenez la sacoche. Ah mais je l'ai tué. Je l'ai tué, Bobby. Regardez si je détruis ça. Pas de chance. Non, ça détruit pas. On va faire le tour. On prend la petite sacoche. Elle est où? Elle est là? Ah là. Ok. Je lâche pas mon char. Eh bien, si tu veux vraiment te la faire la spin torselle, je vais vraiment faire comme ça, quoi. Personne te voit, discretos. Discrétion totale. Vite, ça serait con de mourir. Ce serait marrant que le pigeon, il se prenne mon tank, là, il meurt. J'étais certain qu'elle s'en était. Vous allez vous calmer les gars là. J'ai même pas réussi à le tuer. Plus d'alarme. Allez, on se casse. Voilà, prochaine.
Ah bah il y a de la route hein. Il y a de la route. Niveau carburant on est plutôt pas mal. On se la fait repéter. Là, on prend beaucoup de poussière ici. Là je l'entends de là au fond. Et de là où je l'entends. De fond. Et les gars, tu fais comme ça. Les gars, j'arrive. C'est moi. Offrez-moi le café. Il n'y a plus de sniper comme ça après. Il est là. Ah c'est la plus grosse ville là non. C'est costaud. Ah, c'est vraiment l'endroit, c'est comme dans le multijoueur là. Faut vraiment garder tout le truc. Qu'est-ce qu'il veut lui? Tu vas péter espèce d'enfoiré. C'est moins précis hein. Il est le commandant. On trouve le commandant. Ah putain mais mec il s'est même pas tiré. Attendez il pète les portes. Voilà. J'ai tué le commandant sans faire exprès, comme tout à l'heure. Où es-tu, commandant? Être là-dedans, c'est lui là. On dirait que c'était lui. Ouais, j'ai entendu son âme tirer, j'ai fait, c'est bizarre, il a juste un petit péteux. C'est quoi ce petit cri de fillette? Un petit cri de fillette ça? Allez, j'y vais comme ça. On prend des risques. Ouais, il est là l'enfoiré. Tout ça pour même pas envoyer de message. Le message a été envoyé, ma belle. Pas le message que tu espérais. Désolé de te le dire. Et alors, hein, c'était si accueillant. Et j'avoue que j'ai un peu hésité à m'enfuir. J'ai pris soin de noter l'emplacement du campement de Laurence, bien sûr. Ce qui veut dire que le train le connaît aussi. Deux fois, tu as annoncé au train que tout allait bien, mais... Je lui ai dit exactement où frapper. Le monstre est à vos trousses, ma belle. Il va venir vous exterminer, toi et ta petite bande de rebelles. D'abord, la tempête de feu de l'artillerie. Et puis, le tour des soldats de passer à l'assaut pour achever les survivants. Bah écoutez, merci à vous, c'est fini. Je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures.
sur Battlefield 1 et de Dieu, laissez un petit commentaire, ce que ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner pour me soutenir. Allez, ciao.